Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler donc de Lattice Pro et d'afficher la courbe pH métrique et sa dérivée sur Lattice Pro. Donc première étape, aller ouvrir Lattice Pro. Donc pour cela, je vais dans Documents. Documents, je vais dans OSC et je vais chercher Programme 86. Programme 86, je vais aller ensuite dans Eurosmart, Eurosmart, Lattice Pro et je lance l'application Lattice Pro. Lorsque Lattice Pro est lancé, je vais ensuite. Aller dans Tableur. Donc j'appuie sur espace, je vais ensuite dans Traitement, Traitement Tableur, et je vais ensuite aller chercher à créer deux variables. La première, c'est le volume. Donc le volume, je ne vais pas mettre d'unité parce que cela m'arrange bien de laisser en millilitres. Et ensuite, je vais créer une nouvelle variable que je choisis d'appeler pH. Ensuite, je vous montre comment vous allez faire pour sélectionner. On va mettre 0 millilitres puis ensuite 1 ml, puis ensuite 2 ml et on sait qu'on doit aller de 1 en 1 jusqu'à si le volume équivalent est attendu pour 10 ml, on va aller jusqu'à 8. Donc vous avez vu que je sélectionne deux cellules et j'ai temps pour gagner du temps. Ensuite, si vous avez du temps, on va faire de 0,2 ml en 0,2 ml donc on mettra donc 8,2 et je resélectionne deux cellules. Et j'étends jusqu'à encadrer le volume équivalent jusqu'à 12 donc je continue je vois que je suis pas tout à fait encore à 12 là j'y arrive donc je prends toujours deux cellules et j'étends ensuite je repars de 1 ml à 1 ml de telle manière à ce que je puisse aller jusqu'au fameux 22 25 millilitres pardonnez moi Hop là, vous avez vu, je n'ai pas pris 2 millilitres en 2 millilitres. Hop, je recommence. Donc là, je sélectionne les deux. Et enfin, j'étends. Jusqu'à 25. Voilà. celle-là, c'est à rien. Et enfin, la courbe pH métrique, c'est expérimental, mais pour gagner du temps, on va le faire quand même. On va marquer 3,1. J'ai trouvé des valeurs expérimentales que j'exploite. Bon, ma courbe expérimentale. Euh, je vais la, la simuler ici, hein, de manière à ce que je puisse rapidement avoir quelque chose d'intéressant. Ça, c'est absolument expérimental, je le répète. On va imaginer que d'un coup, on a un saut de pH, 8,2, et ensuite 9,5, et enfin euh, 9,8. Et après, on repart à 10, et je finis ici en prenant mes deux cellules, et j'étends jusqu'à... Ici, et puis à partir de là, je mets 11,65 et j'étends ensuite pour ne pas avoir un pH trop élevé à la fin. Voilà. On a obtenu, donc les pH, c'est des valeurs expérimentales. Le volume, je vous ai montré comment on pouvait le remplir plus rapidement. On ferme ceci, on va dans courbe. Courbe, on va afficher le pH en fonction du volume. Et enfin, on trouve donc une courbe. Bon, elle est ce qu'elle est, hein, est, elle n'est pas très belle en l'occurrence. On voit bien que pour des raisons d'ergonomie, on cliquera deux fois sur pH et on mettra plutôt des croix et on mettra aussi plutôt eh bien, tout simplement des traits. Alors on voit bien qu'il y a un souci vers ça. Donc là, je vais revenir sur le tableur de manière à ne pas avoir des valeurs identiques. On voit bien que c'est là le problème. Donc on va revenir sur ça de manière à éviter des problématiques. Voilà. Impeccable. J'ai. Voilà. Une courbe tout à fait jolie. Alors, ce n'est pas tout à fait celle d'une courbe pH métrique, mais on y re... elle y ressemble tout de même. Ensuite, vous allez faire la dérivée. Donc, vous allez dans calcul spécifique, vous allez dans dérivé, Et vous allez sélectionner, non pas ce qu'il y a ici, c'est-à-dire volume ou pH, mais bien la fonction pH en fonction du volume. C'est elle que vous dérivez et vous calculez. On obtient une magnifique dérivée. Bien entendu, ensuite, il ne vous restera plus qu'à. Peut-être à noter, créer une flèche, expliquer que ceci, ça s'appelle la méthode de la dérivée. Donc, ici, ensuite, on écrira que ça, ce n'est rien d'autre que la courbe pH métrique. On termine. On rajoute maintenant un commentaire. On écrit ça, que c'est la dérivée. Donc, c'est plus joli. Hein Je trouve que si euh, vous faites quelque chose comme cela, ça. ça quand vous l'imprimez, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et ici, vous remettez commentaire, vous allez cliquer droit, créer commentaire, et vous mettez courbe pH métrique. Ensuite, vous mettez OK, vous modélisez, et enfin, vous allez dans Réticule, et vous allez chercher le réticule, l'extrémum, et vous appuyez sur Imprimer écran pour ensuite le mettre dans Word. Voilà, la capsule vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir bien suivi. Merci, au revoir.